Sentinelle, onde. Terrobongi, Fulipajor, Paflucan, Saint-Solly, Burie de Macnollo. On est en 70, on est un peu avant les événements d'octobre. Il y avait une soif qu'on dise quelque chose de poétique, oui, et de politique, donc. C'est au cours de conversation. Je ne sais pas qui a levé la main, mais ils sont vrais ennemis. Moi, c'est quoi, j'étais pour ça. Speak white. Et la film était pour glorifier les textes. Et c'est mythique. Ça appartient à une espèce de passé lointain, indéfini. Je pense que le contexte a beaucoup évolué, mais les poètes, je me demande si on a changé tant que ça. Ombre, obscurité totale. J'aurais réussi à m'étourdir. Ô mon pays de rumination, je te reviens, inerte, indolent. Je dis qu'il faut écrire le silence. Retourne-toi si tu oses. Toutes les formes actuellement aussi sont possibles, sont pensables. Je trouve que la poésie, jusqu'à un certain point, est toujours en train de recommencer un certain mouvement, une certaine naissance. Les poètes ne sont pas les législateurs secrets du monde et ne vont pas sauver l'humanité. Les poètes ne peuvent, dans leur langage, que témoigner du combat humain pour le bon sens à travers toute la folie qu'on nous fait vivre.